Shambho, Shambho, Mahadevaya. Yoga, Yoga, Yogeshwaraya. Bhuta, Bhuta, Bhuteshwaraya. Kala, Kala, Kaleshwaraya. Shiva, Shiva, Sarveshwaraya. Shambho, Shambho, Mahadevaya. Yoga, Yoga, Yogeshwaraya. Bhuta, Bhuta, Bhuta. Shiva, Shiva, Sarveshwaraya. Shambho, Shambho, Mahadevaya. Bhuta, Bhuta, Bhuteshwaraya. Kala, Kala, Kaleshwaraya. Shiva, Shiva, Sarveshwaraya. Shambho, Shambho, Mahadevaya. Yoga, Yoga, Yogeshwaraya. Bhuta, Bhuta, Bhuta. Kala, Kala, Kaleshwaraya. Shiva, Shiva, Sarveshwaraya. Shambho, Shambho, Shiva, Shiva, Sarveshwaraya. Shambho, Shambho, Mahadevaya.
Kante kanta danagata chinta vatulakintava nasti niyanta kate kanta dhanagata chinta vatulakintava nasti niyanta trijagati sajjana sangati rekha
त्रिजगति सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णव तरणे नौका भवति भवार्णव तरणे नौका S'il vous plaît, ouvrez les yeux. Namaskaram à tous. Eh bien, je pense que la plupart d'entre vous sont probablement mieux informés que moi sur les dernières nouvelles sur le corona, parce que vous devez être scotchés aux informations en ligne et aux téléviseurs. Et beaucoup d'entre vous deviennent experts en virologie, à lire toutes sortes de choses sur le virus. Eh bien, si la virologie vous intéresse, ce n'est pas le moment de vous y mettre. Il y a déjà des experts dans le domaine. C'est suffisant. Nous devons juste suivre les instructions. Si vous voulez vous lancer dans des études sur le sujet, vous pouvez le faire plus tard. Une fois passé cette phase virale dans le monde, votre intérêt ne porte probablement pas sur la virologie. Tout ce qui est viral, vous en faites partie. C'est exactement ce que distanciation sociale veut dire, que l'on ne rend rien viral. C'est très important. Eh bien, ça fait des dégâts. Je pense qu'au cours des dernières 24 heures, quasiment 3000 personnes ont été victimes du virus à travers le monde, en particulier en Espagne, aux États-Unis. Ça commence à prendre de l'ampleur en Grande-Bretagne. Un premier ministre, un prince, un ministre, un ministre des Finances de l'un des États allemands s'est suicidé, incapable de gérer le stress lié à ce qui se passait autour de lui. Eh bien, ça c'est le tableau sombre. Mais ce n'est pas comme ça que ça devrait arriver. Ça devrait venir d'une action humaine consciente. Mais le monde est plus silencieux, plus calme, toutes les machines sont arrêtées, les êtres humains commencent à se demander quel est le sens de tout ça? Après quoi est-ce qu'on courait? Toutes ces questions apparaissent, ce qui est très bien. Je suis sûr que toutes les autres créatures sont heureuses. Je peux voir que dans beaucoup d'endroits, il y a des animaux dans la rue, des animaux sauvages. Ils commencent à penser que vous avez disparu et que le monde est de nouveau... Ils se disent « Let's make the planet great again ». Refaisons de la planète un endroit super. Le virus humain a l'air d'avoir disparu. Le virus vit de façon si virulente qu'il endommage l'hôte qu'il abrite. Ce n'est pas très éloigné de ce que fait l'homme. La planète qui nous abrite
nous sommes littéralement une vie virulente. Donc, pas seulement le virus, je parle des plus gros animaux, les mammifères, les reptiles, les oiseaux. Ils se réunissent tous et se disent « Let's make the planet great again ». Ce n'est pas pour minimiser la souffrance des gens, mais lorsqu'il n'y avait pas de confinement, ce n'est pas que les gens ne souffraient pas. Toutes les 4 minutes, il y avait une fracture sur la route. Quelqu'un se cassait quelque chose. Toutes les 12 minutes, quelqu'un a perdu un membre. Personne n'a perdu un membre. Je suis sûr qu'il y a un minimum de fractures. Parce que jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité, il n'y a eu autant de fractures qu'au XXe et au XXIe siècle. Simplement parce que nous nous déplaçons à une vitesse plus élevée que celle pour laquelle le corps est conçu. Donc les plus petites collisions, tout casse. Donc, nous y voilà. Comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, ce que la vie nous envoie n'est pas toujours votre choix. Ce que vous en faites est entièrement votre choix. C'est ce choix qu'il nous faut exercer en ce moment et tirer le meilleur parti de ce que la vie nous a envoyé. Parce que les gens qui se plaignent aussi d'aller au travail. Maintenant qu'ils sont chez eux, maintenant ils se plaignent de ça aussi. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Quand vous allez travailler, vous y allez joyeusement. Quand vous ne pouvez pas aller travailler, restez assis chez vous joyeusement. C'est très important. Parce que si l'on peut, ou si vous pouvez, changer la qualité du monde autour de vous, c'est fantastique. Si vous n'êtes pas capable de le faire, au moins ce fragment de vie, sur cette planète, au moins cette petite partie de la planète, vous devez en prendre soin. Ça, c'est définitivement votre affaire. Mais si vous êtes un peu plus inclusif, vous essayez de rendre belles quelques vies de plus, de rendre belles quelques situations de plus, selon ses capacités, on le fait, c'est bien. Mais ce qui est fondamental, c'est de s'assurer que celui-ci reste merveilleux. C'est très important. Donc à l'heure actuelle, tout ce qui s'est passé pour tout un tas de gens, c'est que lorsqu'ils allaient travailler, ils étaient tous les jours irrités et tracassés. Et ils disaient toujours que c'est à cause du travail, les demandes du travail, le patron est horrible, les embouteillages sont horribles. On a fait disparaître toutes ces choses horribles. Maintenant, vous êtes à la maison, home sweet home. Maintenant, les gens disent, on veut sortir, on ne peut plus rester là. C'est quelque chose qui se développe, ce n'est que le 4e jour, déjà ça se développe. Donc, ce n'est pas que votre maison a un problème, ce n'est pas non plus que votre bureau avait un problème. C'est juste que, sans stabiliser celui-ci, vous essayez de faire toutes sortes de choses dans le monde. Donc, quoi que vous fassiez, vous avez l'impression d'être en guerre. Rien que pour gagner leur vie, tout un tas de gens se sentent comme dans une zone de guerre. Si vous les envoyez à la guerre, que va-t-il se passer? Donc, les gens parlent de temps difficiles. Voyez, l'incertitude est la nature de la vie. Si vous n'apprenez pas à danser sur les incertitudes de la vie, vous ne vivrez jamais de façon joyeuse et exubérante. D'un instant à l'autre, tout est différent. La plupart des gens ne le remarquent peut-être pas, simplement parce qu'ils ne vivent pas dans ce monde. Ils vivent dans le bloc de béton de leur propre mental. Et la seule chose que les gens essaient de faire dans leur mental, essentiellement, c'est d'apporter des certitudes à la vie.
La nature même de l'existence, c'est qu'elle est sans cesse changeante et elle est incertaine. Mais vous essayez de la rendre certaine. Donc essentiellement, vous invitez la mort dans votre vie. Par étapes, bien sûr. Parce que vous n'avez pas le courage de juste l'inviter à fond, d'un coup. Eh bien, tout le monde le sait. Laissez-moi vous le rappeler. Lorsque vous aviez 5 ou 6 ans, vous étiez définitivement une vie joyeuse et exubérante. Lentement, votre rigor mortis s'installe. Votre vitalité diminue. La vitalité ne peut pas diminuer avec le temps. Oh, c'est l'âge. Non, non, avec l'âge, votre vitalité ne va pas diminuer. L'agilité pourrait diminuer. L'agilité physique pourrait diminuer. La vitalité ne va pas diminuer. La vitalité diminue parce que vous essayez de créer de la certitude dans la vie, alors que la nature de la vie est l'incertitude. La seule chose qui soit certaine à propos de votre vie, c'est la mort. Plus vous imaginez les choses certaines dans votre mental, plus vous perdez en vitalité. C'est clairement visible. Sur plus de 90% des visages de la planète, c'est clairement visible. Ils invitent la mort par étapes. Ils l'invitent parce que la mort est certaine. Et la mort est très sûre. Parce qu'une fois que vous êtes mort, il ne vous arrive rien. Tout un tas de gens arrivent et leur demandent, c'est « Sadhguru, bénissez-nous s'il vous plaît qu'il ne nous arrive rien ». Qu'est-ce que c'est que cette bénédiction? C'est la bénédiction de la mort, il n'y a que dans la mort qu'il ne va rien arriver. Si vous êtes en vie, tout peut arriver. Ma bénédiction, c'est laisser tout ce qui est vie vous arriver. Parce que si ça n'a pas lieu maintenant, alors quand? Quand est-ce que ça va avoir lieu? Le fait que ça puisse arriver ailleurs est entré dans la tête des gens parce que les religions du monde ont créé cela. À mon avis, le plus grand crime qui ait été commis contre l'humanité est l'idée du paradis. Cette seule idée qu'il y a un meilleur endroit pour vivre que celui-ci a causé tant de dégâts à la façon dont les gens vivent ici. Si nous existons ici avec aussi peu de scrupules, c'est uniquement parce qu'il y a un meilleur endroit où aller. Si vous êtes sûr de cela, à vrai dire, vous devriez passer à la suite dès aujourd'hui. Toute cette distanciation sociale, ce confinement, tout ce que ça veut dire, c'est on ne veut pas y aller. Comprenons cela. On ne veut pas y aller. Parce que personne n'y est allé, on est revenu et nous a dit, il y a un endroit comme ça. Ça vous a été vendu sous la forme d'une idée, c'est une idée absolument désastreuse et une idée criminelle qu'il y a un meilleur endroit que celui-ci ailleurs. Ceci est l'endroit. Si vous faites tout ce que vous faites avec une implication absolue et volontairement, ceci est votre paradis. Si vous faites tout ce que vous faites avec de la résistance et un manque d'implication, ceci va à coup sûr vous sembler être un enfer. Pas à cause de quelqu'un d'autre, pas à cause du virus. Je viens d'énumérer quelques-unes des dimensions positives de ce virus. Il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Si j'en cite trop, ceux qui souffrent du confinement vont se sentir très insultés, donc j'essaie d'éviter ça. Pour le moment, ça ne sert à rien, parce qu'ils souffrent de leur maison. Home sweet home. Sans cesse, les gens parlaient de ceux qu'ils aimaient. En 4 jours, tant de frustration avec ceux qu'ils aiment. Bon courage. Donc la seule façon dont vous êtes capable d'exister, c'est
sans prêter attention à quoi que ce soit, vous ne faites que bouger en permanence. Dans ce cas, vous semblez aller bien, parce que vous êtes préoccupé par quelque chose, vous semblez aller bien. Maintenant, c'est le bon moment pour vous asseoir et explorer les divers niveaux de folie que vous avez et les travailler. Lorsque je dis les travailler, je ne parle pas de processus psychiatrique. Simplement ceci. Ce dont vous souffrez, c'est uniquement de votre drame psychologique, votre drame. Et vous devez juste réaliser que votre film dramatique est un film très mal réalisé. Si vous en souffrez, à coup sûr, tout le monde autour de vous en souffre aussi. Si votre film est mal réalisé, il n'y a que vous qui puissiez en faire un bon film, un film agréable. Ce qui a lieu dans votre mental est uniquement votre film. Vous devez juste devenir un meilleur réalisateur pour que votre film se déroule à votre façon. Le film du monde ne va peut-être pas se dérouler à votre façon, il est plus grand que vous, mais au moins ce qui a lieu dans votre tête doit se dérouler à votre façon. Donc c'est le bon moment pour prendre cela en main. De nombreux instruments sont disponibles, et en ce moment, beaucoup de choses sont faites dans tout le pays, par le gouvernement, par les diverses agences, par-dessus tout, par les professionnels de santé, la police, les forces armées. En mettant leur propre vie en danger, ils font beaucoup de choses. Ne commencez pas à faire tourner votre propre petit drame assis chez vous. Essayez simplement de voir comment agir d'une certaine façon dans le monde, sans sortir de chez vous, en restant à distance des gens. De quelle façon vous pouvez contribuer ? Vous pouvez faire cela. De toute façon, comme vous ne brûlez pas les calories, parce qu'aujourd'hui c'est comme ça que ça se dit, comme vous ne brûlez pas les calories, vous pouvez réduire le nombre de calories que vous consommez. Et si vous sautez un repas, vous pouvez au moins donner cette somme pour quelqu'un qui n'a rien, qui n'a pas de revenus aujourd'hui, parce qu'il y a tant de gens qui sont tombés dans ces failles. Bien que des mesures économiques de grande ampleur aient été dévoilées par le gouvernement, il y a encore des catégories de gens qui ne sont pas aidés par quoi que ce soit et qui tombent dans les failles. Vous pouvez contribuer à les aider. Vous aurez le plaisir de constater que vous avez retrouvé la forme et aussi la joie d'avoir aidé quelqu'un. Faites quelque chose, ne restez pas assis à vous plaindre de tout, d'accord ? Si vous vous plaignez de ces 3 semaines, alors les 3 prochaines années, vous devez travailler sans un seul week-end, parce que vous avez l'air de tellement aimer votre travail que vous devez travailler sans pause, soit l'un, soit l'autre. Si vous souffrez des deux, que faire ? Vous ne souffrez pas de votre travail, vous ne souffrez pas de la pause, vous souffrez de la nature de votre propre mental. Il est temps de corriger ça. Des questions ? Sadhguru, la première question vient des alumni de Isha Insight à Bangalore. Namaskaram Sadhguru. Je suis entrepreneur à Bangalore. Le défi auquel moi et d'autres chefs d'entreprise sommes confrontés, c'est comment préserver l'entreprise sans causer des dégâts sur le plan humain. Tout ce que l'on fait pour préserver ou protéger l'entreprise a un impact négatif sur les gens, que ce soit les employés, les clients ou les vendeurs. Comment gérer cette situation ? Eh bien, comme je l'ai déjà dit et comme tout le monde le dit dans le monde, l'économie va être touchée. Il n'y a aucun doute là-dessus. Les individus, les entreprises, les petites entreprises, les grandes entreprises, les institutions. Dans le cadre du travail dans lequel nous nous engageons aux côtés du gouvernement régional, cela nous coûte beaucoup d'argent. Eh bien, nous allons devoir nous lancer dans une campagne de levée de fonds, parce que tous les revenus se sont arrêtés et les dépenses ont augmenté.
parce que nous nous sommes engagés dans diverses activités avec le gouvernement régional. Si la propagation devient difficile à contrôler, nos dépenses vont augmenter, encore bien davantage. Donc, le monde des affaires de Bangalore doit voir comment lever des fonds pour nous, parce qu'il y a des choses à faire. Pour arrêter de penser à des choses que vous ne pouvez pas faire pour le moment. Pour le moment, il y a un confinement. En fonction du type d'entreprise, certains d'entre vous fonctionnent peut-être à un niveau minimum. Beaucoup d'autres ont peut-être simplement tout fermé. Peu importe ce que vous avez dû faire. En 3 semaines, les entreprises ne vont pas toutes mourir. N'exagérez pas cela. Et par-dessus tout, tout un tas de choses, l'impact économique négatif est davantage causé par les sentiments humains que par la réalité. 3 semaines sans affaires ne vont pas tuer toutes les entreprises du monde, ce n'est pas vrai. Ce sont les sentiments, la peur, qui provoquent cela. Patientez simplement. Il ne va rien se passer en 3 semaines. Des entreprises construites pendant des années ne vont pas juste s'effondrer et disparaître en 3 semaines. Ce n'est pas le cas. C'est la panique qui pourrait provoquer cela. Donc, je ne suis pas là pour vous conseiller sur la façon de gérer votre entreprise, parce que, en fonction de la nature de votre entreprise et de la nature du travail des gens, que ça puisse être fait depuis chez soi ou qu'il faille être présent sur le terrain, on ne sait pas. Mais on essaie d'encourager l'activité agricole parce que si les agriculteurs ne font pas ce qu'ils doivent faire à la saison qui précède la mousson, la nation pourrait en pâtir toute l'année. Donc, ils doivent le faire parce que, de toute façon, il y a une distance entre les gens dans les activités agricoles. Il y a toujours une distance de manière générale. Mais il faut leur faire prendre conscience de consciemment maintenir une distance. Donc, selon la nature de votre entreprise, vous devriez agir. Mais plus que tout, à l'heure actuelle, pendant ces 3 semaines, la meilleure chose à faire est de suivre les directives du gouvernement et de voir comment vous pouvez faire une différence où que vous viviez, où que vous soyez, si vous ne savez pas comment faire. Il y a des organisations comme ISHA et bien d'autres, il y a le fonds du Premier ministre, diverses choses auxquelles vous pouvez contribuer pour faire en sorte que quelque chose ait lieu. Cela dit, le coût économique pourrait être élevé pour beaucoup de gens. Il le sera pour la nation, pour l'économie mondiale, et pour les budgets individuels, ça va faire un coût. Nous devons le supporter. Mais le plus important, comme je l'ai répété à maintes reprises, c'est que les gens de Bangalore restent en vie. Rester en vie est la chose la plus importante à l'heure actuelle. Eh bien, une chose positive dans tout ça, c'est que si vous regardez le nombre de gens qui meurent par rapport au nombre de gens infectés, ce n'est pas une situation qui échappe à tout contrôle. Les grippes ont, à vrai dire, tué plus de gens. En 2017-2018, avec la grippe aux États-Unis, 44 millions de personnes ont été infectées. Plus de 60 000 personnes sont mortes, parmi lesquelles plus de 50 000 avaient plus de 75 ans. Lorsqu'on voit ça, c'est les épisodes de grippe qui ont lieu chaque année fonctionnent à peu près comme le corona. Mais ce corona ne respecte pas les frontières nationales et il se répand partout dans le monde. Mais autrement, dans les pays, de telles choses se sont souvent répétées et il y a eu beaucoup plus de morts que ça. Maintenant, tout un tas de gens se rétablissent et ils s'en sortent. Ça ne veut pas dire que l'on doit baisser la garde. Il est important que l'on maintienne ce confinement, cette distanciation sociale, cette autodiscipline, et que l'on maintienne une distance entre nous. Ceci doit continuer.
Mais ne dressez pas un tableau si noir dans votre mental. 3 semaines de pause, les entreprises devraient repartir avec une énergie renouvelée. Parce que vous vous êtes reposé pendant 3 semaines. Le repos est la base de toute activité. Vos machines sont reposées, vos hommes et vos femmes sont reposés. Reposez aussi un peu votre cerveau. Et quand vous sortirez de là 3 semaines plus tard, eh bien, on peut tout remettre sur les rails, c'est possible. Nous nous sommes sortis de toutes sortes de situations. Ceci ne va en rien mettre fin au monde, mais gérer cela de façon responsable, limiter les décès dans chaque société est la chose la plus importante. Donc avant tout, vous vous engagez à ne pas mourir et vous vous engagez à ce que les gens autour de vous, ceux que vous connaissez et que vous pouvez voir, ne meurent pas. Si tout le monde fait ça, nous allons traverser ces 3, 4 semaines, 5 semaines, peu importe. Nous allons les traverser. Nous serons rétablis, les entreprises seront rétablies, l'économie sera rétablie. On sera peut-être juste un peu en retard. Être derrière quelqu'un, n'en faites pas toute une histoire. Il y a ce qui s'appelle l'aspiration. Quand vous... Vous savez, quand les gens font des courses de moto ou même de voiture, si vous vous rapprochez suffisamment du véhicule de devant, vous êtes aspiré parce qu'il crée une certaine quantité de vide. Avec moins d'énergie, vous pouvez aller aussi vite que lui parce qu'il vous aspire. C'est de la simple aérodynamique. Donc, être derrière quelqu'un, ce n'est pas une si mauvaise chose pour un certain temps. Pas de problème. Ne soyez pas aussi crispé à l'idée que quelqu'un puisse être devant vous dans 3 semaines, ça n'a pas d'importance. Restez en vie, sortir de là en bonne santé et veiller à ce que ce soit le cas aussi pour votre entreprise et aussi pour le pays est la chose la plus importante. Donc faisons en sorte que cela ait lieu. Pas assez de temps pour une question de plus, je crois. Ok. Sadhguru, la question suivante vient de Roshni. Namaskaram Sadhguru. J'ai toujours pensé que je pouvais passer toute ma vie à me gaver de séries sur Netflix. Mais au cours de ces derniers jours de confinement, je suis totalement lassé de tout ce qu'il y a sur Internet. Je vous ai entendu dire... Ça me fait tellement plaisir. Je ne savais pas qu'il fallait 4 jours pour s'en lasser. Je vous ai entendu dire dans l'une de vos conférences que l'ennui n'est pas existentiel. Pouvez-vous, s'il vous plaît, m'éclairer là-dessus et me dire comment gérer l'ennui ? Puisque vous êtes un fan de Netflix, et que ce sont des espèces de séries sans fin, nous aussi, nous allons traiter cette question sous la forme d'une série. Le prochain épisode est demain.